Dans les profondeurs ténébreuses de la ville de Leno se dresse la prison souterraine des parias, un asile psychiatrique hanté par l'horreur et la désolation. Ce lieu sinistre exhale une atmosphère glauque et sombre, où les murs se hantent de moisissures et les couloirs résonnent des échos des lamentations des âmes égarées. Au cœur de cet enfer se trouve Angèle, une femme énigmatique qui se fait aussi appeler Zanzola. Son esprit tourmenté par la schizophrénie lui fait habiter un monde de délire et de visions déformées. Son regard, hanté par la folie, ses cheveux ébouriffés et sa démarche erratique ne font qu'accroître l'aura de mystère qui l'entoure. Elle erre dans les couloirs de la prison, laissant derrière elle une traînée de désordre et de chaos. Ses paroles sont un mélange de prophéties sombres et de déclarations incohérentes, murmurées d'une voix à la fois envoûtante et terrifiante. Elle se croit destinée à devenir la seigneure du cercle d'Elden, une croyance qui s'enracine profondément dans son esprit fragmenté. La vie à l'intérieur de sa prison souterraine des parias est un cauchemar perpétuel. Les cris déchirants des passions résonnent dans les ténèbres, tandis que les ombres dansent de manière inquiétante, comme des entités malveillantes et les cramptés qui attendent leur heure. Chaque jour, la souffrance et la désolation s'intensifient, laissant les esprits faibles succomber à la folie qui règne en maître dans ces sombres murs. Oups. Et pourtant, dans ce tourbillon d'effroi et de démence, on se demande si Zanzola, qui se fait aussi appeler Angèle, ne détient pas une véritable nécessité. Peut-être que ses délires et ses convictions étranges contiennent un grain de réalité. Car dans ce lieu de cauchemar où les limites de la raison se floutent, il n'est pas impossible que le fantasme de Angèle finisse par se matérialiser, la plaçant au sommet du cercle d'Elden, comme elle l'a toujours prétendu. Elden Ring, bienvenue dans l'Asylum. Êtes-vous prêts ?